Bonjour, bonsoir tout le monde. Émission pour la rentrée la CAI aujourd'hui. Émission dossier la CAI PAM. Émission d'éducation et formation dossier la CAI PAM. Content pour que l'on parle avec des amis compatriotes un peu partout dans le monde. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous voulons remercier d'une manière spéciale les amis qui ont nous du côté des États-Unis d'Amérique. En général, nous voulons saluer aussi les amis du côté de la Belgique, le Canada, Chili, ainsi que les amis qui ont nous en Afrique du côté du Sénégal. Grâce avec les amis Sayo, l'émission de Dossier la CAI PAM, l'émission d'éducation et formation, arrivé collecter pas mal de dollars. Mais pour vous autres qui vivez à Haïti, nous voulons faire connaître et nous rappeler avec chaque grain haïtien qui a coûté nous en Haïti surtout, il n'a pas payé aucun views pour les gens qui attendent nous en Haïti. Top views nous c'est Haïti, mais malheureusement, par rapport avec la conjoncture pays d'Haïti, il n'a pas payé Dossier la CAI PAM pour que son views. Pour ou même qui gagne rendez-vous pour l'ambassade américaine à Port-au-Prince qui contacte Dossier la CAI PAM en privé, nous dit assurer en apporter encore des éléments d'information, d'explication de manière à ce que vous dossier soyez capable de clarifier pour tous les amis internautes qui écoutent nous en Haïti. Pour les amis qui ont l'ambassade, qui ont un dossier par rapport avec l'extrait des archives, nous disons, et ce n'est pas un faute dossier la CAI PAM parce que nous autres, nous toujours fait des émissions, nous rappeler avec chaque ami qui écoutent nous. Pour que lorsque nous allons à l'ambassade, portez pour nous, s'il vous plaît, extrait des archives. C'est vraiment important. Si toutes les fois où vous avez interview ambassade américaine ou pas au presse ou pas gagné extrait des archives, nous garantissons pour passer toute notre étape, mais vous êtes capable de faire un passeport ou après c'est une feuille 8,5 par 14, c'est-à-dire une feuille longue qui dit que pour aller chercher extrait des archives, portez dans DHL que vous suggérez pour ça. Quels sont les éléments essentiels pour l'ambassade américaine à Port-au-Prince? Nous dit 1, c'est passeport. 2, c'est lettre attestée que vous avez un rendez-vous ambassade telle date. 3, c'est question médicale. Comme rappel, nous dit que médical a gagné 2 possibilités. Qui sont ces 2 possibilités qu'on peut pas d'ailleurs? Nous disons 1, c'est question caisse électronique. Pour ou même qu'elle fait médical avant que vous interviewez l'ambassade, là, nous dit que vous fait médical. Le jour que vous faites médical, vous retournez à Caillou, vous gagnez rendez-vous pour le résultat médical là sous 2 ou 3 jours. Lorsque vous prenez résultat médical là, nous rappelez que ou pas jouer un résultat ça ou même qui gagne une caisse électronique. Résultat là a déjà acheminé ambassade là pour les suites nécessaires. Ou gagne purement et simplement pour aller dans interview dans jour à date que document dans main là explique pour ça. Ou même qui gagne une caisse qui pas électronique qui c'est une caisse physique. Lorsque vous finissez faire médical là, vous avez rendez-vous pour aller prendre résultat. Vous allez prendre résultat, comme rappel, il y a un document qui gagne résultat là-dedans. On demande avec chaque ami qui gagne, qu'est-ce physique ça yo, prend en pile précaution avec elle pour que nous pas déchirer pour aller vérifier qui résultat qu'il a donné. C'est pour ça émission de cela qu'il pas me fait. C'est pour ça que nous venons pour nous expliquer avec chaque grain de compatriote qui problème qui est arrivé avec chaque document. Pour vous-même qui posez question avec dossier la CAI PAM, parce qu'il y a avec comment pour faire casier judiciaire. Nous dit casier judiciaire, c'est un document certifié et attesté que ou même qui vive en Haïti, surtout pour ne pas avoir aucun démêlé avec la justice. Comment vous capable de faire ça purement et simplement? Pour ou même qui vivent dans grande ville, par exemple, qui vivent dans bassin pour Port-au-Prince, comment vous faites ça? Vous prenez le DGI ensemble avec un passeport pour checker un matricule fiscal. Si toute l'offre est gagnée déjà matricule, allez DGI avec matricule fiscal. Achetez un récépissé pour casier judiciaire. Allez dans le paquet de Port-au-Prince ensemble avec matricule fiscal. Page passeport,
copie carte électorale, copie extrait des archives ou bien acte de naissance ou avec deux bouts de photo d'identité, aller pour dossier la CAPAM en deux paquets, remettre document ça avec autorité qui l'a pour ça. Après deux ou trois jours, nous certains que on va recevoir casier judiciaire là pour côté aller. Pour vous autres, si toutes les fois c'est ambassade la même qui est en fond injonction pour venir avec casier judiciaire qui sorti du côté de la DCPJ, il est obligé de faire différemment. Comment pour faire casier judiciaire ou même qui gagne obligation pour faire au niveau de la DCPJ? Un, faut qu'on aller encore DG. La DGI, qui c'est Direction Générale des Impôts, pour acheter un récépissé casier judiciaire DCPJ, s'il vous plaît. Poté, casier judiciaire, page passeport, extrait des archives, bien original acte de naissance ou, carte électorale ou, allez, bonheur dans TCPJ avec lettre qui dit que l'ambassade l'a mandé ou pour faire casier judiciaire DCPJ. L'étape toujours bon si toutes les fois prend devant, c'est-à-dire ou pas même temps que c'est DCPJ ou vous faire. Il y a un petit peu plus complexe lorsque vous fait casier judiciaire DCPJ par rapport avec conjoncture pays d'Haïti tout temps, vous entendez pas de gaz ou bien pas de internet ou bien pas de si pas de ça. Mais si toutes les fois c'est ça qui vaut, nous avons une opportunité, une possibilité pour que vous fassiez ça au niveau de la DCPJ. Comment vous faites ça? On nous avance dans l'émission de ce soir qui sont émissions d'explication rationnelle que nous venons faire pour nous satisfaire avec désir, compatriotes, dossier la caille pas mieux. Pour vous-même qui pourrez aller à l'ambassade là, c'est toujours les mêmes outils que l'ambassade là toujours possédé avec même type de question. Qui est-ce qui apprend toujours songer ça? Qui côté moun la vive toujours, rappelons de ça. Depuis qu'il l'ouel, ce sont des outils que nous baou pour dire où tu es déjà atteint avec ces gens de questions, parler avec aucun faiblesse, dis bon, moi déjà bien ému de qui ça capte mon ambassade là. Ou même qui gagne papier transfert, que c'était papa ou bien maman, peu importe la personne qui t'a montré, papier transfert ou dit quelque chose. Par contre, si toute la fois, pétitionnaire, c'est-à-dire moun ka rentre ou là, il était divorcé déjà ou pralé dans interview ambassade là porté pour dossier la CAPAM extrait de divorce là. Si toutes les fois pétitionnaire était déjà divorcé ou pas venu dans interview ensemble avec extrait de divorce là, on garantit ou a gagné pour porter dans DHL extrait de divorce là avant que ou joigne possibilité pour retrouver visa pour venir les États-Unis. Ou même qui a des problèmes avec certains documents, contactez le dossier la CAPAM. Surtout ou même qui gagne excès des archives pour vous aller, pas seulement le déposer dans aucun bureau, excuse-moi, en vertu, en voilà, pour dire que vous gagnez des proches, des amis qui sont capables de canaliser de manière à ce que pour le dossier soit déposé dans VIP, pour ne pas prendre le temps. Donc c'est la CAPAM, content d'entrer la CAPAM, nous dit merci avec toutes les amis. Vivre encore les États-Unis et nous dit déjà bonne fête avec chaque grande maman du côté des États-Unis qui va le fêter dimanche prochain anniversaire fête maman. Aux amis haïtiens, c'est fin mois de mai à nous dire aussi déjà bonne fête malgré la situation, malgré la conjoncture que nous c'est la CAPAM qui a développé en Haïti. Nous dit ou même qui vient pour venir aux États-Unis, du courage. Nous avons des plus amples informations pour nous bailler dans l'autre vidéo. Nous va supposer trop longue. Allez, bye bye.